Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les protections menstruelles. Alors, je suis avec le docteur Marie-Laure Bréval, vous êtes auteur de Mon guide gynéco pour les nuls. Les protections menstruelles, on connaît les serviettes, les tampons. Bon, déjà, on en parle un petit peu, puis après, on va aller sur les moins connus. Oui, donc tous les mois, une femme saigne, hein, suite à l'évolution, enfin, c'est la fin de son cycle, donc elle va saigner pour recommencer un autre cycle. Donc il faut des protections. Je crois qu'en matière de protection, il n'y a pas à donner de conseils, de consignes. Chaque femme va choisir en fonction… Question de choix. Il y en a qui vont porter des serviettes, il y en a même qui n'en portent pas et qui ont des systèmes pour retenir ce sang des règles, qui n'est pas très abondant, puisque ce n'est pas tellement du sang, mais du tissu. Les remarques que j'aimerais faire sur la question des protections, c'est surtout sur les tampons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les tampons, non pas tant sur le plan écologique ou ce système de purifier le coton et de mettre des produits qui seraient nocifs pour la santé, mais c'est l'utilisation du tampon et veiller à bien ne pas le laisser trop longtemps en situation, puisque le vagin, qui est un milieu de culture considérable, et c'est comme ça qu'on peut déclencher des infections. Donc le tampon lui-même ne va pas donner d'infection, contrairement à des idées fausses qui se disent, mais s'il est mal utilisé, il va être à l'origine d'une surinfection du sang des règles. Donc attention à cela. Serviette, tampon, il y a des coupes. Voilà, alors les coupes, c'est très à la mode actuellement. Quelques secondes. Très à la mode, les coupes, puisque justement, c'est ce qui semblerait le plus écologique, puisqu'on va pouvoir le garder, cette coupe. Après, c'est juste une question de manipulation pour les femmes, mais c'est très conseillé pour les femmes qui sont adeptes de la coupe. Alors, il y a aussi des culottes menstruelles. En 10 secondes. Alors, les culottes menstruelles, c'est le même principe. Hein. C'est des culottes jetables et au lieu de mettre des temps. Donc, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Voilà, mesdames, choisissez.